On est dans la joie parce que c'est un mois particulier, c'est le mois où où on fête la venue de notre Sauveur. Et je crois que c'est un mois vraiment très spécial pour nous. Alors je vous invite vraiment à prendre un temps de célébration, un temps où on déclare notre joie au Seigneur. Vous êtes prêts? Allez, on y va tous ensemble. Joie dans le monde. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent.
se retrouver. Vous me permettez, je vais juste prendre un petit peu d'eau. Voilà, merci. Mais on a beaucoup de joie, oui, à se retrouver dans la présence de Dieu ce soir, parce qu'il est notre Sauveur. Il est celui qui est venu sur cette terre, qui s'est fait homme, qui a décidé de vivre tel un homme et de mourir pour nous, pour que nous soyons libérés du péché, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons remplis d'espoir. Et vraiment, c'est une joie de pouvoir le célébrer ce soir. C'est une joie de pouvoir se retrouver ensemble pour le louer et l'adorer en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et vraiment, je nous invite à continuer ce temps vraiment de joie, ce temps vraiment de reconnaissance, et de se rappeler qu'il est venu pour nous, alors qu'on n'était pas encore nous là. Il est venu pour nous toucher, pour nous sauver, pour nous aimer. Et c'est une grâce, c'est une grâce. Et peut-être que je nous invite quelques instants à prendre un petit temps de reconnaissance envers Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Juste élève ta voix et commence à remercier Dieu. Commence à le louer, commence à le prier. Merci Jésus, merci Père éternel, parce que tu es venu Seigneur pour nous, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Merci Père éternel, parce que oui, tu es venu Seigneur, c'est une grâce Seigneur Jésus de t'avoir dans nos vies, c'est une grâce de te connaître, c'est une grâce d'avoir cette espérance, c'est une grâce de vivre jour après jour avec toi. Oh Dieu, merci parce que tu as tout fait pour nous Seigneur, tu as vécu tel un homme sur cette terre et nous te louons Seigneur Jésus parce que tu as tout accompli, ouvert la voie pour nous Jésus. À toi la gloire Père éternel, à toi la gloire, l'immensité. L'immensité de ta grandeur pour l'éternité.
exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom proclame ensemble dans les cieux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
Prosterne-nous t'adorons.
Alors que nous adorons le Seigneur encore, que nous continuons à élever son nom dans nos cœurs, que nous goûtons sa présence bienfaisante, écoutons encore ce qu'il nous a à nous dire. Pendant toute la réunion déjà, Dieu a commencé à agir dans les cœurs des uns et des autres. Et dans les corps aussi. Il y a une dame, vous êtes malade du bas du ventre. Vous avez tout le bas du ventre et ça tire jusque dans les reins. Vous avez des douleurs intenses. Il y a des jours où vous ne savez plus comment vous mettre debout, ni comment vous tenir assise ou couchée parce que n'importe quelle position fait mal. Mais l'Éternel pose sa main ce soir sur votre vie et veut vous délivrer de cette douleur qui vous accable. Il y a aussi une personne, vous souffrez de migraines terribles. C'est comme s'il y avait un serre-tête qui s'enfonçait dans votre tête, tellement les douleurs sont aiguës. Et au niveau des tempes, que ça se serre le plus et vous avez mal. Vous avez déjà pris des médicaments, vous avez eu des soulagements, mais jamais de vraie délivrance de la douleur. L'Éternel pose sa main sur vous ce soir et vous délivre de ces maux de tête, de ces migraines qui sont terribles. Il veut vous délivrer et ça va partir là dans la soirée. Petit à petit, ça va se dissoudre et vous allez vous rendre compte que c'est fini. Et ce sera fini à tout jamais. Ce sera fini à tout jamais. Car ce mal et ces maladies sont soumises au nom puissant de Jésus. Elles sont soumises à l'autorité suprême de l'univers, à celui à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, et qui est venu pour détruire les œuvres du mal dans votre vie. Ô venez, adorons-le. Ô venez, adorons-le. Ô venez, adorons-le. Le Christ, le Seigneur. Car toi seul est digne. Amen. Merci à Nina et à toute l'équipe. On pourrait les applaudir eux aussi. Ils ont été absolument remarquables à nous entraîner dans la présence du Dieu très haut. Amen.